dis pas qu'il est foutu. Ouais, et bien foutu. L'espace d'une seconde, j'ai cru que j'allais jouer. Tu peux jouer. Comment ? Ok, viens là. Ferme les yeux. Fais-le. Ok. Bouge avec ça. Là, coup de poing, là, coup de pied, et contre avec ça. Ok. Mais choisis d'abord ton personnage. Tu vas incarner l'impitoyable, redoutable et très magnifique Angel Knives. Et je suis censée tout imaginer ? Ferme les yeux. Ok, pardon. Elle est tout près du Temple des Ombres. Un bâtiment mystique et ancestral où ont lieu les tournois des immortels. Ton adversaire, Black Fang, sort du temple. C'est un gars blanc ultra baraque avec trois bras. Son but, c'est de te faire la peau. La musique part et il se met en position de combat. T'es prête ? Vas-y, envoie. Manche 1, go ! Début du premier round, Black Fang se précipite sur toi. Il t'envoie un double coup de poing dans la face. Saute ! Maintenant, il t'a dépassé. Tu atterris derrière lui. Frappe-le dans le dos. Tu le calmes avec un bon gros coup de coude et il perd genre 15% de santé. Oui ! Il se retourne et revient avec son attaque de la griffe fatale. Qu'est-ce que je fais ? Maintiens gauche et contre pour parer. Tu soulèves les coudes juste quand il fait son combo. Tu recules, mais t'es pas blessé. Le dernier contre lui fait perdre l'équilibre. Il peut se relever à tout moment. Contre-attaque avec une ascension divine. Bas, haut, pied. Joli. Il t'a eu. Combo point de sortie. Fais haut, barre et pied pour une charge de lame. Barre-le. Tu le tiens. Bas, avant, point pour le coup de sortie. Ouais, défonce-le. Bien joué. Brutal. Épique. Ouais. Combo brutal. Achève-le. L'écran s'assombrit. Les larmes d'Angel Knives scintillent. Elle lui transperce la poitrine encore et encore, jusqu'à ce que son cœur jaillisse dans les airs. Elle se met en position et lance un coup de pied qui lui arrache la tête. Un geyser de sang recouvre toute la surface de combat. Oh, cool ! Ultra kill dans ta face. Angel Knives lève le poing en l'air. Encore gagné. Yes, tu m'étonnes. Pas mal pour une première fois. Alors ? C'était sympa. T'as adoré. Ouais, ok, j'avoue. T'as entendu ? Eh, tu sais, on devrait rentrer. Moi, il faut que je rentre. T'as largement le temps. Riley, écoute, j'ai vraiment plus le droit à l'erreur là-bas. Demain, on reprendra là où on s'est arrêté. Je peux pas. Bon. Ben, un autre jour, alors. Ok, la Luciole, alors quand ? Ils m'ont demandé de partir. Partir d'où ? De Boston. Je dois rejoindre un groupe dans une autre ville. Je leur ai bien dit que je voulais rester ici. Mais tu sais comment est Marlène. Rien n'est simple avec elle. Elle veut me tester. Ils viennent me chercher demain. Ok. C'est tout ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je sais pas, t'as pas des conseils d'amis ? Je suis sérieuse. Pourquoi tu m'as fait venir ici ? J'avais envie de te voir.
Non, pourquoi tu m'as fait venir ici? Je sais pas. Je sais pas. Tu veux un conseil? Vas-y. Allez, on n'a qu'à se dire au revoir. Je vais aller voir d'où vient cette musique. Riley! Riley! Fais chier. Mais où elle est passée? Riley! Riley! Qu'est-ce que tu regardes comme ça? T'as déjà vu un truc pareil? La discussion est close? Je sais pas, à ton avis? T'as pas le droit de m'en vouloir, Riley. C'est moi qui dois t'en vouloir. Pourquoi? Parce que je t'ai demandé ton avis? Non mais attends, depuis quand mon avis t'intéresse? On était potes! On était vraiment potes, mais t'as fini par m'envoyer chier, et après ça, t'as disparu! Toute... cette journée... Tu te sens coupable? Tu veux te défiler? Vas-y, je te retiens pas. Je suis censée être en planque à l'autre bout de la ville. Si je me fais prendre en tant que luciole, je suis morte. C'est pas la culpabilité qui m'a fait traverser une ville pleine de soldats, Ellie. Et oui, j'ai fait des choses que j'ignore comment réparer, mais... j'essaie. En parlant de ça... ces fameux pistolets à eau dont tu rêvais. J'ai failli me faire tuer pour les avoir. Surprise. Ok. D'abord, je vais te laminer. Et après, on parlera. Prépare-toi à prendre une douche. À nous deux, la luciole. Tu t'en tireras pas comme ça. Ellie, allez! Merde! Ah, merde! Tu m'échapperas pas, fillette! Bien fait. Tu vas regretter, ma grande. Ah!
je suis trempée. Bouh. Je t'ai réglé ton compte. Quoi? Tu m'as à peine touchée. T'es trempée. Ok. Compte jusqu'à 5. Je vais me cacher et on doit se trouver. La première qui se fait prendre a perdu. Ça marche. Ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. T'es prête? Je rêve! Mais qu'est-ce que pitasse? On le joue en trois manches? Toi, va te cacher. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas mourir. Putain, ouais. Oh, mais zut! Ha! J'ai gagné, et ouais! J'ai gagné, et ouais! Waouh, tu sais quoi? T'as eu de la chance! De la chance? Ouais! Oh. Tu veux remettre ça? Je... Mais oui, mais je... Tu dois y retourner. Il faut que j'y retourne. Ok. Bien. Je peux au moins te raccompagner? Mais oui. Attends, je vais juste chercher mon sac. Et au fait... Je l'ai dit méchamment... Mais... Je le pensais vraiment. Tu devrais y aller. Je veux dire, c'est quelque chose dont tu rêves depuis... Enfin... Depuis toujours, alors... Qui je suis pour t'en empêcher? T'es la seule à le pouvoir. Non, je t'en prie, n'y va pas. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Je vais m'en sortir. Et toi aussi. Et on se reverra bientôt. Tu devrais les garder. Ça me servira pas à grand-chose. Tu trimbales toujours ton baladeur? Ouais. Fais voir. Tiens. Y a quoi dedans? La cassette que tu m'as donnée. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi, franchement? La ferme. Laisse ça, suis-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas voir. Sérieuse, viens par là. Allez, ramène-toi. C'est débile. Allez. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Hey, qu'est-ce que t'as? T'en vas pas.
Attends. De quoi? On fait quoi maintenant? On va trouver un truc. Mais je crois que Marlène va pas trop apprécier. Joël! Oh merde! Oh merde! Oh, c'est pas vrai! On se calme. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Rien à carrer du vieux schnock et de la gamine! Ouais, plus vite on les retrouve, plus vite on peut se tirer. On commence par cette zone. Je vais voir par là. Va voir derrière. Que dalle. Je deviens vraiment pas. Oh ! Elle est par ici ! Je te tiens. Il se passe quoi, là?
Bouge pas, Joël, j'arrive. Ces types veulent se battre. Ils vont pas être déçus. Je vais le retrouver, le recoudre, et après je me casse d'ici. Survivant de mon unité, et je vais crever là dans un putain de conduit. Regan, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ils m'ont mordu, et ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'elle me tue elle-même, alors que je n'étais même pas infecté. Elle disait qu'elle ne le ferait pas, mais ça se voyait dans ses yeux. Sinon, elle aurait pas pris son flingue. Pourquoi est-ce qu'elle a pris son putain de flingue? Je voulais juste lui parler. Mais là, elle m'a menti. J'aurais pas cogné, moi. Elle m'aurait buté. J'en suis certain. Elle t'a quand même gardé en vie tout ce temps, Ellie. Hein? Mais on s'en balance. Je l'ai tué. Je me suis enfui. C'était la lutte pour échapper à ces enfoirés de monstres. Et pendant ce temps-là... toutes mes putains de sutures ont lâché en même temps. Je me vide de mon sang. Je peux pas me recoudre. Putain, il me manque un bras. Je peux même pas faire un nœud. Regarde. Vous êtes là, il y a du nouveau ? Chut, sa crouille est infectée ! Merde. On les fait sortir. Vous, couvrez-nous. Qui a fait ça ? Oh merde, on a...
Ok. C'était quoi? Qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont ici? On a vérifié sur tout le tour. On voit des sabots qui entrent. Il n'y a aucun qui sort. Ils sont ici. Ils sont déjà morts. Alors faut voir leur putain de cadavre. Yes.
Putain de cheval derrière! Aidez-moi à ouvrir ça! Ouais, on se charge de la porte. Continuez à chercher. J'ai pas envie qu'ils nous attaquent. Ils vont le trouver. Je dois faire quelque chose. Vite! Putain de porte! Ellie, tu dois faire quelque chose. On gère la fille, tu ouvres la porte! Sale petite conne! Ellie, tu dois faire quelque chose. Petite garce!
dernier pas. En bas, près de la porte. Oh, merde, on la tient cette fois. Butez-moi ça. T'as de con. Bon, vous voulez jouer à ça? C'est parti. C'est bon, vas-y. Tu vas payer cher. T'as entendu? Vas-y. Ouvre-moi. Mm-hmm.